get that bitch wet. We've been going hard for too long. Eh bien, salut tout le monde, c'est Orion 48226. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA, cette fois-ci. Je n'en ai pas encore fait dessus. Et ce n'est pas tout simplement pour le GTA de base, pour, en multi. Bah, de toute façon, multi, je suis avec Franklin. Donc, c'est pas possible. Ou pour faire la mission du solo, non, vous l'avez sûrement vu sur la map. Voilà. C'est tout simplement pour... LS, on va pas me tromper, c'est tout simplement LSPIFR, donc qui est un mode où vous incarnez un policier dans les rues de Los Santos. Voilà, 0035 qui envoie une invitation. Désolé, de toute façon, je vais pas aller jouer en multi parce que avec le mode. Ça va pas le faire. J'ai pas envie de me faire niquer mon compte. Voilà, ce serait bête. D'ailleurs, les gens, n'allez pas en multi si vous avez un mode. Donc là, on aurait pu aller au commissariat. À la cabane de Rangers qui se trouve juste au-dessus de la maison de Franklin. Mais. Mais je préfère vous montrer le commissariat. Putain, je connais comme une merde aujourd'hui. Je préfère vous montrer le commissariat de le commissariat principal pour bien vous montrer toutes les options. Voilà, tout ce qui est disponible pour le moment. Je vais vous expliquer quelques petits trucs vu que c'est le seul qu'on peut rentrer dedans. Il y a celui aussi de chez Trevor, donc lui est là. On peut rentrer dedans, mais rentrez pas dedans, n'y allez même pas, c'est buggy. C'est le seul, un des deux seuls qui ont une cellule. Mais n'y allez pas, vous allez passer à travers le sol. C'est encore un petit bug de ce mode qui vient. Putain, je sais pas conduire. Qui viennent de sortir. Et le pire, c'est que j'avais fait un épisode super et tout avant, je conduisais super bien. Mais j'ai pas mis le bon micro. Voilà. C'était pas le bon micro que j'avais enregistré, donc voilà, c'était super. On m'entendait pas. Donc voilà, vous arrivez au commissariat, vous vous garez. Voilà, vous sortez et vous rentrez ici à l'intérieur du commissariat. Plein. J'espère que vous n'allez pas entendre les bruits des joysticks et des. Ça. Parce que je joue à la manette. Donc ici vous avez un bureau, là vous avez l'endroit où il faut aller. Là on peut pas encore aller. Là on peut pas encore aller, mais c'est prévu que dans une prochaine mise à jour, on pourra se rendre normalement. On pourra se rendre là, aller dans le garage, hein, comme il est marqué garage. Là, vous voyez, il est marqué garage. Et plus tard encore, on pourra aussi descendre là, descendre les escaliers pour aller raccompagner les prisonniers dans une cellule. Et là on peut aller pour monter aux étages, mais on va pas y aller tant qu'on n'est pas flic, parce qu'on va s'attraper des étoiles. Donc vous venez ici à l'armurerie, vous faites la flèche du pad, flèche droite du pad, petite cinématique d'intro pour vous dire à quel poste vous êtes, etc. Donc là c'est le commissariat principal. On attend tout le temps de chargement. Et voilà, on est dans le vif du sujet. On y est. Donc là, vous avez plusieurs options. Vous avez différents choix. Il y en a quand même pas mal. Bah, ils sont tous là, quasi. Ils sont même pas quasi, ils sont tous là.
Donc, vous avez le choix entre un LSPD, donc c'est les policiers de la ville, mâle ou femelle, donc homme ou femme. On va prendre un homme. Vous pouvez choisir la couleur de peau. S'il a une chemise manche longue ou une chemise manche courte, attendez, alors, celui-là, non, c'est celui-là. Voilà. Celui-là, ça sert à enlever la montre qui est rendue dégueulasse, mais bon, on prend pas la manche longue. Donc ça, c'est la head, voilà. Puis on a ça qui permet les insignes, donc voilà, cet insigne-là, c'est mieux. Parce que celui-là, le police, là, il est un peu bugué. Au moins, vous avez une montre en plus. Gear, donc comme vous pouvez le voir, là, il y a l'arme dans le holster, ce qui est un peu plus réaliste, et ici, ah oui, et on a le pare-balles aussi, et vous n'avez plus rien, donc voilà. Là, c'est les insignes, mais les insignes, ils sont buggés. Et puis, il y a les props, donc vous pouvez mettre none ou random, et ça vous donne soit un chapeau, soit des lunettes, voilà. Donc, perso, j'en mets pas. On va aller voir les autres personnages, donc toujours le choix entre homme ou femme. Hein. Donc, LSSD, c'est le shérif. Donc toujours la même, choisir la tête cette fois-ci, c'est pas la couleur de peau cette fois-ci, c'est la tête. Généralement moi je prends celui-là parce que les deux autres, enfin celui-là c'est un œuf. Celui-là toujours une chemise ou un manche longue avec cravate ou manche courte. Gear c'est pareil, si le holster il doit être plein ou pas, s'il doit être avec une arme. Et le pare-balles. Donc voilà, et pareil les props c'est pour le chapeau. Et les lunettes SAPR, celle-là c'est pour c'est le garde forestier, en fait c'est les rangers, donc c'est toujours homme-femme, la tête, voilà, la manche longue ou manche courte, pareil là si vous voulez un holster, parce que de base il n'y en a pas, il n'y a pas de jet pare-balles, et là c'est les insignes, voilà. Donc, qui sont buggés. Et non, toujours si vous voulez un chapeau ridicule, là. Voilà. SAHP, donc ça c'est les autoroutes, donc les autoroutes, donc les motards et les en voiture banalisée. Donc là on peut choisir la tête, voilà, la couleur de peau encore. Là c'est manche longue ou manche courte, comme d'habitude. Là, ça c'est le pantalon. Si vous voulez le pantalon pour la moto ou le pantalon pour la voiture, pour tout. Si vous voulez l'arme dans le holster, et il n'y a pas de gilet pare-balles. Et les insignes, si vous voulez un peu plus bas. Et pareil, les chapeaux, toujours, mais je crois qu'il n'y en a pas, à part les lunettes. Non, il n'y a pas de chapeau. Donc, on continue. On s'en fout des insignes. Hop. On continue. Ça, c'est les gardiens de prison. Ils ont une tête assez moche, on peut se le dire. Encore heureux qu'on peut mettre un de ces deux là parce que celui-là il est dégueulasse. Voilà, donc gear si vous voulez le holster de cuisse, ou si vous voulez pas de holster du tout, toujours les props, voilà, avec la casquette ou les lunettes de pilote. Ça c'est un pilote, voilà, on comprendra mieux plus tard. Toujours pareil. Si on veut la ceinture avec l'insigne, avec un holster, bien sûr, c'est bof. Et si on veut un casque, une casquette ou des lunettes, voilà. On continue, donc là il y a le nose, donc le SWAT. Donc on a mal, encore là on peut pas choisir, le pilote non plus. Ça non plus. En fait il y a juste les deux premiers, je crois, qu'on peut choisir, les trois premiers qu'on peut choisir. Là il n'y a pas, et on peut juste choisir si on lui met un casque. Bah, voilà, ça c'est pour le nose. Il y aura sûrement plus tard d'autres options qui arriveront. Hein. Là c'est le FIB, donc le FBI. Donc pareil, la tête. Voilà. On aura sûrement d'en plus parce que là avec deux choix. Hop, donc là c'est soit la veste ou le pare-balles. Là c'est les insignes par rapport à ce que vous avez. C'est bugué pour l'instant. Voilà. Et là on n'a rien, parfait. Ensuite là on a la IA, donc qui est une agence de sécurité, hein, on va dire. Ah non, il y a les femmes aussi pour là. Pareil, couleur de peau et de chemise en même temps. Pour la même occasion, là c'est pareil si vous voulez
avec un holster vide, si vous voulez une ceinture avec un holster ou pas. Ça, c'est si vous voulez une veste, un pull, une chemise, un polo. Donc là, l'insigne à la ceinture. C'est là. L'insigne à la ceinture, pas d'insigne ou le truc autour du cou. Là, c'est les lunettes qui sont buggées. Voilà. Et on a NYSP, donc ce n'est pas New York, machin. C'est la police du prologue, donc de Northampton. C'est pour ça NY. Pareil, la tête. Hein. Donc dans le mode enneigé, ça sert un peu à rien parce que il n'y a pas de neige. Mais bon, ils sont présents. Avec un magnifique chapeau. Et le, je sais pas pourquoi, mais il devient rouge. Donc nous, on va prendre un policier classique de LA. Voilà. Et hop là. On arrive dans le menu avec les voitures. Donc on a la police cruiser qui est une Ford Crown Victoria. Donc on peut choisir plusieurs choses. On a la sirène si on veut l'activer. On a l'extra 1 et l'extra 2. Donc l'extra 2 d'abord, c'est les anciens gyrophares avec l'ampoule qui tourne à l'intérieur. On peut ne pas en mettre. Ou on peut mettre des LED qui est mieux. Hein. Voilà. La suivante, c'est la Buffalo. Donc la Buffalo qui est une Dodge Charger. Donc avec la sirène toujours activée. Et là, l'extra, c'est un aileron à la fin, à l'arrière. Celle-là, c'est la Interceptor qui est une Ford Taurus. Donc pareil, les gyros. Et là, c'est si vous voulez le phare ou pas. Là, on a la police transporteur. Donc, ça, c'est les gyros allumés, c'est tout. La moto. Là, il n'y a pas d'extra. C'est pareil, c'est que le transporteur, c'est juste la sirène. Ici, la Sheriff Cruiser, donc, qui est encore une Ford Crown Victoria. Mais pour le shérif, donc là, c'est pareil, les mêmes extras. Donc là, c'est les LED. Ou les ampoules, perso je préfère les LED. Maintenant vous faites comme vous voulez. Maintenant le SUV du shérif, donc qui n'est pas vraiment SUV, c'est plutôt un pick-up à carrière recouvert pour moi. Mais ils appellent ça un SUV, donc on va appeler ça un SUV. Donc toujours les sirènes, voilà. Qui est bien classe et qui va quand même assez vite. Pour la voiture que c'est, enfin pour la masse que c'est. Donc là on a la police de Northampton, voilà. La voiture, donc la Road Cruiser, pardon. Celle-là je ne sais pas vraiment ce que c'est, pas vraiment une Ford Crown Victoria. Avec des semi-LED. C'est la moitié entre LED et l'ampoule qui clignote. Par rapport à la forme. Donc ça c'est des extras sûrement qui se font par rapport au capot. Enfin dans au moteur, etc. Je sais pas vraiment à quoi ils correspondent, c'est sûrement l'accélérateur, les freins, etc. Pareil, là on a le 4x4, le Ranger de Northampton. Et là on a les banalisés, donc on a toujours la Ford Crown Victoria, donc avec extra 1 qui est le pare-buffle et les lampes. C'est mieux de la mettre comme ça quand vous êtes en bana, avec les sirènes toujours. Et vous avez plusieurs couleurs pour celle-là, donc hop, vous faites ça. Donc on a la bleue, la plus claire, la blanche, grise, la rouge, bordeaux, la noire, une noire encore plus noire, et une grise foncée et une bleue. Voilà, on a fait le tour. Donc maintenant on a de nouveau la Dodge Charger, donc la Buffalo. Celle-là elle a pas d'extra, elle a rien, elle a juste les gyros, elle est bien classe et tout. Maintenant le pick-up, donc celle-là c'est le même, hein. Le SUV c'est toujours les sirènes. L'extra c'est tout simplement dans le moteur, sûrement l'accélération. Pareil, là c'est celui des Rangers, donc celui des Rangers il a un truc en plus, donc je pense que c'est le frein et l'accélération. Et on a la sirène. Attends, celui-là il en a sur les rétro. Non, l'autre il n'en avait pas sur les rétro. Là on a le police Rio, donc pour le NOSE, donc la National Office of Security Enforcement, donc le Rio, hein, pour les faire débarquer. Donc pareil, on a ça et l'extra, donc qui est les vitres. Qui sont les vitres, mais je sais pas qu'est-ce que ça change. Hop,
Non, pas sectionnel. Et là, boum, l'Hydra. Donc, l'Hydra, c'est pour ça qu'on a le pilote. Mais bon, c'est encore un peu bugué avec l'Hydra. Et c'est pas très pratique de l'utiliser, on va dire. Par contre, ce qu'ils auraient dû rajouter, c'est les hélicoptères qui ne sont pas dedans. Ça, ça aurait été bien de rajouter. Donc, on peut choisir si gauche et droite on met les missiles ou si on ne les met pas. Et on a fait le tour. Donc, nous, on va prendre la Interceptor, un peu la Ford Taurus. Ouais, la Taurus. Et hop, on est parti. Et on est. On va se garer. Et on va regarder les fonctionnalités de l'auto. Donc la voiture, on peut bien entendu activer les gyrophares avec la sirène ou en appuyant sur J, tout simplement activer juste les gyrophares, voilà. Donc ce qui est pratique, au début vous avez... Moi ce que je fais, c'est que je laisse d'abord sans... Putain, le gars il est suivi d'un rat quoi. Ce que je fais en fait, c'est juste... C'est un animal de compagnie. Ce que je fais, c'est juste tout simplement activer ça et comme ça au cas où, pour demander quelqu'un de s'arrêter. Et quand j'ai une alerte ou quoi, que je dois me dépêcher, hop, on active tout simplement la sirène. Voilà. Puis, bah, vous l'avez vu, le menu. Donc ça, c'est pour les codes. Donc voilà. Donc on a le code 2, donc, qui est pour une locale patrol unit. Donc généralement, c'est une voiture comme nous. Ah bon, je vous expliquerai ça après. On va d'abord faire... On va d'abord arrêter cette énergumène là-bas qui est je ne sais pas où. Et je continuerai de vous expliquer après. Donc voilà, là ça c'est un call-out. Donc une alerte quoi. Et sinon vous pouvez patrouiller, arrêter des personnes et tout, mais bon, on peut pas encore faire comme dans GTA 4 sur LCPD FR, donc plus particulier. Où là on pouvait, je crois qu'il est sur l'autoroute en fait. Où là par contre on pouvait carrément aller vérifier la personne et tous les papiers dans la voiture. Mais bon, ça va arriver, après il est là au-dessus en fait. Qui va descendre là-bas. Là, ça tourne et ça descend. Sur le pont, ok. Donc ici que ça va descendre. Quand on aura fait le tour. En contre-sens, voilà, donc il est devant nous et là on va foncer. Donc, vous avez plusieurs sirènes, vous avez celle-là et celle-là. Celle-là et celle de base. Putain, l'enculé de la tourner. On prend le tour en contre-sens, c'est pas trop grave. N'est pas très efficace, mais bon, il nous a un peu eu là. Et vu que je parle, je suis pas forcément concentré, vu que je vous explique un peu, donc c'est pas trop grave. Hop, plus le coup, l'accident tranquille, dans le contresens. Ah, mais c'est lui! C'est lui! Sens, il a fait un accident, c'est bien, sa voiture va être endommagée. Oh, il est bloqué. On va sortir. On lui a crevé. Ah, oh, putain, le camion. C'est ça qui est un peu bête sur ce jeu. Voilà, c'est que les voitures on tire et du coup, dès qu'on tire, en fait, les voitures elles s'affolent et tout le monde s'affole. Et ça vous rend dedans en fait, c'est ça le problème. Et là, dommage qu'on n'a pas de taser encore. Faudrait aussi qu'ils pensent à rajouter, en fait ça c'est pour l'instant les points négatifs du mode. Les voitures, mais bon ça je pense plus que c'est le jeu, ils pourraient quand même améliorer ça. Et ils pourraient aussi rajouter le taser. On a juste le M9. Et on va éviter de le blesser. Enfin, de le tuer, le blesser, on peut. Voilà, pour récupérer un peu. Il va essayer de souffler à la fin, le gars. Et il faudrait aussi qu'il rajoute des barrières. Ouais, et puis vous savez,
quoi. Hop, voilà. What? C'est quoi qui explosait là? Voilà, il est mort, on va faire demi-tour, on va retourner à la voiture, parce qu'il se prend, on va faire la voiture. Bon, je vais plus la retrouver. Et du coup, ce que je vous disais, c'était qu'il devrait rajouter des barrières comme dans un autre police mode. Bon, celui-là, on va pas l'accepter. Comme dans un autre police mode qui est sorti tout au début, mais qui était bien moins bien fait. Voilà, j'y arrive. Par rapport à celui-ci. Mais il y avait quand même barrière les cônes, mais les voitures elles s'en foutaient, elles rentraient dedans. C'est pas très. Faudra rajouter les barrières qui sont directement dépliées, parce que là c'était des barrières pliables en fait. Et elles étaient pas dépliées, donc elles tombaient par terre. Et les cônes en fait ils servaient à rien parce que les voitures elles ne s'arrêtaient pas. Oh, et donc on va retourner en ville, du moins on va patrouiller. Et je vais vous expliquer un peu à quoi servent ces boutons. Donc j'en étais au code 2. Le code 2 c'est la Local Patrol Unit, donc tout simplement une voiture toute bête comme nous. Puis dans le code 3, on a toujours la Local Patrol Unit. Oh si, allez. Il est où encore? Oh, il est à l'autre bout de la ville. Oh merde, faut encore descendre. Pas grave. Donc on a les State Patrol, donc ça c'est la police des autoroutes, donc ce qu'on pouvait prendre tantôt, tout à l'heure, parce qu'on avait le choix, donc celui qui peut faire de la moto, donc des fois il vous envoie des motos, des fois il vous envoie des voitures banales. Local SWAT Team, donc ça c'est un pick-up, on a vu un SUV là, avec des hommes d'une house dessus. Comme en multi, quand vous avez 4 étoiles, on vous envoie ça, ben c'est ça. En fait, qui vont attaquer et qui sont armés de M4, etc. C'est pas vraiment des M4 dans GTA, mais bon, c'est l'équivalent, quoi. Nous, SWAT Team, ça, je crois, c'est le Rio de police, ce qu'on a vu tantôt, qui débarque les hommes du Nose. Et quand on est en course-poursuite, on a aussi... Local Air Support, donc ça c'est un hélicoptère de la police qui va venir éclairer avec son spot la personne que vous êtes en train de poursuivre. Et on a SWAT Air Support, donc ça c'est un busard, donc un Little Bird, Bird elle-même, qui va venir tirer des roquettes et à la sulfateuse sur sur la personne qui s'échappe. Donc ça vaut mieux pas l'appeler parce qu'il va venir vous défoncer. Voilà. Enfin, là ce qu'on va faire ici. Parce qu'il va venir vous défoncer avec. Il tue tout le monde. Donc, il s'en bat les couilles. Voilà, super. Après je vais vous montrer comment ça se passe contre le routier. Donc, on a quoi comme menu aussi? On a l'arrêt comme menu, on a N dans le clavier. Donc, on a Speech, Action. Action, c'est pour faire Vehicle Engine. On, Always On, etc. Toujours allumé. Emergency Signal. Voilà, c'est si vous voulez juste les sirènes, etc. Hop, on va aller là-dessus. Putain, il a l'autre bout encore. Non, c'est bon. Non, ça va. Hop, je pense avec les gemmes. J'ai un peu les. Hop, c'est là. En tout, on vient de déposer un des deux. On va chercher après le deuxième pour suivre d'avoir le nom en voiture. Je sais pas où, parce qu'il a l'air d'être sur la plage en fait. Il est où? On est sur la plage, je vais mettre une petite la foudre. Ah,
Ah, ils se poursuivent déjà. On va essayer de l'arrêter. On va prendre la voiture, on va relui foncer dessus. Et monte du bon côté aussi, toi. Voilà, pour vous montrer l'animation, ce que ça fait quand quelqu'un se fait arrêter. Celui en train de manger. Oh my. Voilà. On va l'arrêter. Je vais essayer de l'arrêter moi, voilà. Donc il y a l'animation qui est un peu brute. Voilà, et on le fait suivre. On relève, on le fait nous suivre. L'animation elle est un peu brute pour le début, mais ça va être amélioré, hein. Vous inquiétez pas. Hop, on va lui ouvrir la porte. Putain, son fusil est de l'autre côté. Là tiens, la porte est fermée. Donc on a l'animation qui est un peu brute pour l'instant. Pareil, des fois le gars il se couche par terre et tout, on le voit qu'il relève. C'est super bien fait pour le début. Et plus tard, ça va être amené à être perfectionné. Donc là, on va l'emmener à la cellule. Voilà. Hop là. On va couper la sirène. On va juste laisser les gyros. Avec le tracteur tranquille sur la plage. On va éviter de tout casser. Là, je crois que c'est un peu piéton, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça on n'est plus en faute. De toute façon, on a les jeux. Hop là. What? Ok. Donc, nous, on retourne au poste où on était. Et vous allez voir une petite animation qui se fait. On a une petite animation qui se fait quand quand on l'amène, et c'est bien sympa. Il n'y a pas trop de dégâts. Ça aurait pu faire plus mal si on serait pris le mur, voire passer au-dessus du mur. Hop là. Merci. Je crois qu'on peut pas, mais c'est pas grave. On s'en fout. On en intervention encore. Le smart, hop. Je prends la priorité. On empêche la Buffalo, donc la Charger, elle est mieux. Elle est nettement mieux que celle-là, que l'Interceptor, mais bon, ça fait un peu plaisir de changer. Bien que la Cruiser, elle est pas si mal que ça, la Crown Victoria. Contrairement à GTA 4, elle est plaisante à conduire. Hop là. C'est bon. Donc là, c'est pas sur le devant du commissariat qu'il faudra aller, c'est derrière. Donc je vous en montrerai tantôt. Tout à l'heure. Hop. On vient. Ça. On tourne encore. Et arrivé ici, on va tourner pour le gyro. On attend que le grill s'ouvre et hop, on vient. On attend. Et hop là, l'autre il se fait tabasser un peu, des fois ça arrive. Et voilà. Donc maintenant on peut faire, on peut reculer, éviter de se prendre la portière, j'allais dire, mais c'est quand même plaisant. Donc voilà, on peut reculer et tout, c'est bien sympa. Donc bah voilà, je pense qu'on va se laisser là-dessus, on va le garer à la voiture. Et on va aller, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait quand vous arrêtez votre service, on va dire. Donc vous venez ici au même endroit où on a été. Attendez, je vais voir si je suis ici. Alors du coup on prend plus d'étoiles. Et du coup,
je sais pas si on sait aller en haut pour prendre un hélico. Je vais essayer de vous montrer ça avant. Hop. Ça, je ne sais pas, je n'ai pas été vérifié. Ce serait bien parce que ce serait bête qu'ils n'ont pas rajouté les hélicos. Non, c'est pas. Il n'y a pas de truc pour prendre les hélicos, non, pas encore. Ce serait bien qu'il y en rajoute pour pouvoir contrôler l'hélicoptère et pouvoir illuminer le gars avec le spot et tout, ou voir avec la caméra, ce serait pas mal, faire le TFO. Ou le pilote. Hein. Voilà. Non, pas par là. Donc ce serait pas mal là. Ah non, là, what? C'est par là. Mais c'est pas. Voilà, et là on ne sait pas aller. Locker room. Donc, ferme la porte quand même. Bah, si elle est assez ouverte. Donc, quand vous avez fini, bah, vous venez ici à l'endroit et vous faites exactement la même chose que vous avez fait quand vous êtes arrivé. Et petit entourloupement. Et voilà, vous récupérez votre personnage de base, donc soit Michael, soit Trevor, soit Franklin. Ici c'est Franklin. Et donc voilà, vous sortez et tout. Et normalement, vous récupérez votre véhicule si vous l'avez bien garé. Et donc voilà. Donc moi, je vais vous laisser ici. Je vais juste vous faire un petit récap vite fait. Donc en gros. Ah, c'est bien, on a augmenté l'ambiance. En gros, ce mode, il est génial. Hein, bon, il y a encore quelques trucs à perfectionner, mais la base, elle est là. Donc pour moi, ce qui manque, c'est les hélicoptères. Comme je vous ai dit, le manque d'un taser, les voitures qui foncent n'importe comment quand vous tirez, et des barrières et des cônes. Voilà, c'est des cônes mais fonctionnels, avec les voitures qui s'arrêtent et pas qui foncent dedans, qui contournent. Enfin, des voitures qui s'arrêtent et qui contournent, pas des voitures qui foncent dedans, vous voyez. Des trucs bien. Ah oui, ce qui manque aussi, c'est pour. Comme sur GTA 4, le truc pour faire retirer les voitures. Donc un camion qui vient, qui fait disparaître la voiture, tout simplement. La voiture que vous avez sélectionnée. Et. Je vous ai pas montré pour arrêter une voiture. Bon, pas grave. De toute façon, ça, c'est pas. C'est pas grave, je vous le dirai, vous le verrez bien une autre fois, parce que je vais vous dire tout de suite pourquoi. Voilà, il manque aussi le truc pour appeler la morgue, qui vienne récupérer un corps. Et il manque aussi l'appel du service d'urgence, donc soit les pompiers, soit l'ambulance. Voilà. C'est ce qui manque pour moi. Maintenant, je sais pas vous, si vous y avez déjà joué et tout, dites dans les commentaires ce que vous pensez qu'il manque aussi. Ou si vous êtes d'accord avec moi sur cet avis. Et donc tout de suite, je vais vous dire ce que je compte faire sur ce mode, parce que je ne voulais pas présenter pour rien. Si j'ai fait une présentation de ce mode, c'est tout simplement de 1 parce que je kiffe ce mode, et de 2 parce que je compte bien faire une série là-dessus. Et oui, encore une série, vous allez me dire, mais voilà, je compte bien faire une série là-dessus. Et la série, ce sera des skills de patrouille, un truc du style. J'essaierai de varier. Ah, une voiture qui vient de partir. J'essaierai de varier un peu, des fois prendre le shérif, le FBI, etc. Varier. Et faire peut-être une patrouille en hélicoptère une fois quand ils seront là. Et vous faire en même temps des briefs, des nouvelles matchs, ce que ça a ajouté, etc. Donc voilà, il y a un autre mode aussi que je ne vous ai pas parlé, c'est dans le bas. C'est le mode qui vous indique où vous êtes. Et donc je ferai peut-être aussi une vidéo après celle-là pour vous expliquer comment installer les SpeedyFR et le mode pour savoir votre position, qui rend un peu mieux. En fait, bien que c'est pas vraiment quelque chose de très essentiel. Le principal, c'est le mode SpeedyFR. Voilà. Et il manque aussi un radar, voilà. IAA et bureau du IAA. Il manque aussi un radar, voilà. Un vrai radar comme il y avait dans LSPD. LCPD, pardon. Putain, je confonds toujours maintenant entre les deux. Et donc voilà.
Et donc sinon, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Dites-moi si ça vous plaît, si ça va vous plaire que je fasse une série de pseudo patrouille comme j'ai dit sur ma chaîne. Voilà, sur ce mode, pour dire de changer un petit peu de jeu aussi. Et donc voilà. Il y a encore d'autres séries qui doivent arriver en parlant de ça. Prison Architect, ça continue. Ne vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'il n'y en a pas cette semaine qu'il n'y en aura pas et qu'il n'y en aura plus. Farming, semaine prochaine, je crois que c'est le dernier épisode, l'avant-dernier ou le dernier épisode de l'ensilage. Et les Sims, ça remonte à super longtemps. Les Sims, il faut que je retourne des épisodes, etc. Pareil, en fait, Prison Architect, il faut que je retourne des épisodes. Mais je vais sûrement bientôt recommencer les Sims. Voilà. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah non, on parlait de la YOLO Stream aussi. Donc la YOLO. Pour l'instant, je ne fais plus de live, tout simplement parce que j'attends que la YOLO soit opérationnelle. Du moins, je vais peut-être faire ma live quand je sais ou quoi. Mais parce que pour l'instant, je bosse sur la YOLO. Donc je fais les designs et tout, donc les bannières, les fonds et tout. Et je vous ferai une vidéo à part exprès pour vous en parler plus précisément, etc. Donc ça. Donc vous saurez quoi prochainement, mais le lien de la YOLO Stream est dans la description. Et pareil, le lien pour télécharger le mode, pour ceux qui veulent le télécharger, qui savent comment l'installer, c'est dans la description. Voilà, comme le Facebook, le Twitter, l'Instagram, le Steam, le compte Skype abonné, etc. Voilà, tout ça c'est dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like si ça vous a plu, un dislike si ça vous a pas plu. Un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette série qui va commencer, etc. Et de cliquer sur le bouton playlist prochainement pour avoir le reste des épisodes. Voilà, parce que maintenant il y a toujours un bouton playlist en haut de l'outro. Et de cliquer sur les deux dernières vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Donc c'est l'ensilage et Prison Architect épisode 4. Voilà. C'était Aurélien Cantu 1926. Moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!